الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاء الله سبحانه وتعالى le Très-Haut, le Tout Miséricordieux, Maître des mondes et de l'univers, de nous avoir réunis ici. Et on doit être heureux pour cela. Et c'est une grande fierté, c'est une immense joie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi de venir ici quand on possède ce ni'ma-là qui est al-tawhid, al-iman. Et on a l'islam, on est muslim et on est mu'min, on est croyant. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, c'est l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et chaque année. Imaginez un instant si ce mois était nafil, si ce n'était pas obligatoire. Très peu de gens l'auraient observé. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut aussi qu'on puisse cueillir les fruits du mois de Ramadan qui est at-taqwa. Mais est-ce que c'est seulement cela? Pourquoi jeûnons-nous? Inch'Allah, on abordera, si le temps nous le permet, mais ce sera rapidement, en 5 points. Premier point, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Oh vous les croyants, nous avons prescrit as-siyam. Kutiba, yani furidwa, nous avons rendu obligatoire le jeûne, comme cela a été prescrit auparavant. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, Bunyal Islam wa ala khams, que l'islam a été bâti sur 5 choses. L'attestation de foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, qu'on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la salat est obligatoire, l'aumône, la zakat obligatoire, le hajj obligatoire, ceux qui ont les moyens, et siyam shahr ramadan, de jeûner le mois de Ramadan. Premier point, le jeûne est obligatoire. Deuxième point, le jeûne augmente la piété. À la fin du verset que j'ai lu, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, c'est une des notions les plus importantes de l'islam. Le mot at-taqwa revient dans le Coran environ 151 fois. Et un des buts déclarés du jeûne, c'est justement cette taqwa-là, comment l'augmenter. Taqwa est un mot arabe dont la racine, c'est waqa, c'est-à-dire de bâtir une protection. Le verbe at-taqwa, se protéger, prendre garde. Dans une large mesure, ce verbe peut désigner donc avoir crainte d'eux. Al-wiqaya, que l'on pourrait traduire par protection et bouclier. Donc la taqwa, c'est une protection, une forteresse que nous bâtissons pour nous protéger de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de quoi est fait ce mur? De briques? De pierres? Non, il est fait d'action. Il est bâti en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire et en s'abstenant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. Umar radiallahu anhu, il demande à un de ses amis, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Explique-moi le sens de la taqwa. Alors Ubay radiallahu anhu, il répond, supposons que tu te trouves sur une route parsemée d'épines. Il y a beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce que tu fais? Alors Umar radiallahu anhu répond que je me retrousse les manches et j'essaie d'éviter toutes ces épines. Alors Ubay radiallahu anhu dit, mais c'est la même chose, la taqwa c'est ça. C'est ça la taqwa, c'est-à-dire l'effort que tu fournis pour éviter ces épines-là, c'est l'effort qu'on va fournir pour éviter les pièges de shaitan et les épreuves de la vie. Le but de notre création, le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, le Coran, envoyer les messagers sur terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Nous avons créé l'être humain pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de l'adoration aussi, c'est d'atteindre le degré de piété. Ya ayyuhannasu'budu.
adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibada, taqwa. Et cela depuis la création. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. D'après Al-Arbad ibn Sariya, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il nous a fait une exhortation, un khutbah éloquent qui nous a fait frémir nos cœurs. Il a fait couler les larmes de nos yeux à tel point qu'on dit que ça c'était la dernière intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ousuikum bitaqwa Allah. Je vous conseille la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'a fait Abu Bakr avec Omar Radouan au moment de mourir et Omar Radouan avec son fils Abdullah. Le bonheur dans notre vie, dans ce monde et dans l'autre monde, ça passe aussi par la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens pieux. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Parole de l'imam Ghazali rahimahullah qui dit en ce sens que celui qui craint quelque chose, une créature, celui qui craint une créature, ben, il va s'éloigner de cette créature. Sur la terre, si on craint quelqu'un, on va, si nous voit, il vient ici, ben, nous prend le chemin, la peur. Mais celui qui craint le créateur, il va se rapprocher de lui parce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a promis cet amour pour celui qui le craint. La taqwa est en réalité liée à une autre notion qui est al-ihsan, le plus haut degré de la foi. La définition de l'ihsan, le hadith d'Ibril, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Al-ihsan, an ta'abud Allah ka annaka tara. Fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Adorer Allah, comme si, de faire une action, comme si on le voit. Comme si nous, on le voit Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on ne le voit pas, lui, il nous voit lui. Mais plus on va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus il y aura des preuves et des difficultés. Mais c'est simple à comprendre ça. Lorsqu'on est dans une entreprise, on commence au bas de l'échelle. Pour montrer chaque échelon, on va fournir du travail, des efforts, passer deuxième échelon, troisième échelon. À chaque fois, on va fournir beaucoup de travail pour monter en degré, pour atteindre le plus haut degré dans cette entreprise-là, pour avoir un bon salaire et se reposer par la suite. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on augmente nos bonnes actions, notre degré. Avec plus de difficultés, on va augmenter, on va se rapprocher de lui afin de mourir avec iman. Et là, on aura le bonheur éternel dans le paradis, le repos éternel dans le paradis. Inna Allah ma'al muttaqin. Allah subhanahu est avec les gens pieux. La taqwa nous permet de bien distinguer entre le bien et le mal. La taqwa va nous permettre d'avoir de quoi subvenir à nos besoins. Allah subhanahu dit dans le Coran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La taqwa aussi amène la facilité. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. La taqwa fait descendre la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si les habitants de la cité auraient cru et auraient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions. بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, qui descend du ciel. Aujourd'hui, la pluie ne tombe pas. Parce que nous, on fait beaucoup de pluie. La taqwa aussi amène l'acceptation rapide de nos invocations. إنما يتقبل الله من المتقين. Et le jeûne du mois, le somme est là justement pour nous permettre d'atteindre ce degré de taqwa pour pouvoir en bénéficier de tous ces privilèges qu'on a cités là. Aujourd'hui, on veut toutes sortes de cartes privilèges qui donnent des réductions, donnent des avantages. Mais ces privilèges là de la carte, une fois un ami dernièrement il me disait: il me parraine pour telle carte. Parce que s'il parraine 5 personnes, il va avoir une carte supérieure et il pourra profiter de telle ou telle chose. Mais ça, c'est dunia. C'est éphémère. Ces privilèges vont se terminer. Mais les privilèges de la taqwa, c'est éternel. Les privilèges de la taqwa sont éternels. Et ça, depuis, lorsque on sera ressuscité, on va sortir de la tombe.
On va sortir de la tombe. Dans ce monde, on se déplace soit en voiture, soit en vélo, soit en trottinette. Parfois, on tombe aussi, on se blesse. Dans l'autre monde, le muttaqin, ce sont les anges qui vont l'accueillir depuis la tombe. Et il y aura des montures quand Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Et le jour de la résurrection, lorsqu'on va ramener l'enfer avec ses 70 000 brides et chaque bride 70 000 anges, les gens auront peur, sauf ceux qui ont été pieux, ceux qui sont abstenus de faire des péchés, ils ont fait de bonnes actions. Pourquoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? إن المتقين في مقام أمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Les gens qui ont été pieux, ils vont entrer dans le paradis, ils seront en paix, en sécurité dans ces moments difficiles là. Tout cela pour les muttaqoun. Qui sont-ils? On a dit, ce sont ceux qui font les bonnes actions et se protègent de faire les péchés. Alors vous allez me dire, Molana, ben nous, on n'est pas des prophètes, nous. On ne peut pas avoir ce degré-là tout le temps. Comment on fait partie de ces gens-là? Oui, parce que nous, on fait des péchés. Le pieux peut tomber dans le péché. Ah oui? Peut tomber dans la turpitude, al-fahisha. Comment? C'est quoi la preuve? Écoutez ce que Allah subhanahu, qu'est-ce qu'il nous dit? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Accourez vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu a préparé le paradis pour les gens pieux. C'est qui les gens pieux? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ. Celui qui dépense dans l'aisance, ou ad-darra, et dans la difficulté aussi, il dépense. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ceux qui dominent leur rage. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et celui qui pardonne aux autres. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Il continue. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Et ceux qui ont commis des péchés. Al-fahisha, les mufassirins disent ici az-zina. L'homme pieux fait le zina, mais il peut faire tomber dans le péché. Mais la différence, c'est quoi? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Ou bien il a fait du tort lui-même, à son âme. ذَكَرُوا اللَّهُ. ذَكَرُوا اللَّهُ. La différence entre l'homme pieux et le pervers, c'est celui qui tombe dans le péché. Oui, les deux tombent dans le péché. Mais l'homme pieux, c'est qui? C'est quand lorsqu'il commet un péché, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il pardonne, il demande pardon à qui? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui pardonne à part Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Il reconnaît son péché. ذَكَرُوا. Il pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah ben là, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais وَلَمْ يُصِرُوا. Il continue pas ce qu'il a continué de faire. Il arrête son péché là. Oulaika jazaohum ma'firatun min rabbihim. Donc, la différence, c'est le pervers, lui, il ne reconnaît pas son péché. Il continue dans son péché. Il ne veut pas reconnaître, il ne demande pas pardon, il banalise le péché, il invite les autres à faire le péché. De toute façon, on peut faire ça. Après, on va demander pardon, Allah Ta'ala va pardonner. Mais, Allah Ta'ala, c'est adabun shadid aussi. Allah Ta'ala a une punition sévère aussi. Donc, pour ceux qui ont commis un péché, une turpitude, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner parce qu'il va arrêter son péché. Le retour est possible pour tout le monde. On a expliqué la dernière fois, dimanche soir, on a parlé de la nuit du pardon avec le doua. Avant que le ramadan il arrive, on va devoir se progresser dans ce chemin-là. On doit éviter les pièges de shaitan, justement, progresser dans le chemin de la taqwa, surtout avant de mourir. Demander la clémence et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'on soit dans l'agonie. Hudhayfa ibn al-Yamama, qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens: Man khutima lahu bi it'ami miskiman muhtasiban
ala Allah azza wa jalla dakhala al-jannah. Celui qui meurt alors qu'il nourrissait un pauvre, il, uniquement pour faire plaisir sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, il va entrer dans le paradis. Man khutima lahu biqawli la ilaha illa Allah muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala al-jannah. Celui qui meurt en disant la ilaha illa Allah uniquement pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, il va entrer dans le paradis. Man khutima lahu bi sawmi yawmin muhtasiban ala Allah azza wa jalla dakhala al-jannah. Celui qui meurt en état de jeûne, il entrera dans le paradis. Bien sûr, en faisant les personnes n'ont pas négligé les choses qui sont faraz, l'istighfar et la pratique de l'islam. Troisième point, rapidement, le jeûne permet aux serviteurs d'avoir cet état de ihsan. On a l'islam avec les cinq piliers, l'iman, croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, etc. Et l'ihsan, on a dit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voit. Et si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Et le jeûne nous permet d'atteindre ce degré-là. Comment ? Lorsqu'on est chez nous, en état de jeûne, personne ne nous voit, il y a la nourriture qui est là, la boisson qui est là. Ça, c'est halal pour nous. C'est quelque chose qui est permis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous teste. Ça, c'est parmi les plus grands. C'est quelque chose qui est permis pour nous, nous, on ne peut pas le faire. Mais on ne le fait pas pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. C'est à l'ihsan. C'est ça, on le fait pendant le mois de Ramadan. On ne rompt pas notre jeûne. Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. Les autres, ils ne nous voient pas, lui. Personne ne nous voit. On peut manger en cachette, peut boire. Mais à l'ihsan, on sait qu'Allah, c'est ça qui développe, qu'on développe pendant le mois de Ramadan. Quatrième point, les vertus du jeûne. Hadith Qudsi, c'est-à-dire parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre du fils de Adam, c'est pour lui-même. Toute action qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Illa sawm. Sauf le jeûne. Le jeûne, c'est pour moi et je vais récompenser en personne la faveur de ce jeûne. Le jeûne est le jeûne est un bouclier. Lorsqu'on jeûne, on ne va pas injurier quelqu'un, on ne va pas insulter quelqu'un. Grâce au jeûne, le fidèle, il apprend à dominer ses mauvaises pulsions. Le jeûne, c'est l'une des adorations les plus efficaces pour purifier notre âme et corriger le comportement. Le jeûne est un bon entraînement à la patience et à la persévérance. Autre avantage du jeûne, lors de la rupture du jeûne. Parce qu'on va faire l'iftar, là, on a l'habitude de parler. Et ce moment-là, c'est fait pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Une relation intime et directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va demander pardon au moment du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre demande. Celui qui jeûne, il a deux joies. Lorsqu'il rompt le jeûne, pour lui-même, parce que, alhamdoulilah, il avait faim, il a mangé. Et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. Le jeûne est un moyen express pour le croyant d'atteindre la piété, la taqwa. Et le jeûne est un moyen express pour que le croyant atteigne le ihsan. Le jeûne efface les péchés. On ne peut pas tout rentrer dans les détails. Dernier point, le jeûne va nous faire entrer dans le paradis. Il nous va faire éloigner de l'enfer. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ensemble, celui qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Un jeûne, 70 années. On fait 30 jeûnes et chaque année. Et lorsqu'arrive le mois de Ramadan, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, la première nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait ? Souffle des shayatin. Les shayatin sont enchaînés. Les djinns rebelles sont enchaînés. La porte de l'enfer, les portes de l'enfer se ferment et ne s'ouvrent pas. Les portes du paradis s'ouvrent et ne se referment pas. Et là, il y a cet appel. Ya bari al khayr aqbil. Ceux qui souhaitent faire le bien, empresse-toi. Ceux qui désirent le bien, empresse-toi de faire le bien. Ya bari al shar aqsir, c'est-à-dire ceux qui veulent faire le mal, retiens-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layla. Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi les personnes du feu de l'enfer durant chaque nuit. Une porte spéciale pour ceux qui jeûnent, Bab Rayyan. Le jeûne purifie notre nafs de l'avarice, de la haine, de la jalousie. Le jeûne aussi éduque notre patience, on a vu tout à l'heure, développe l'entraide. Il a salat al-tarawih qui est très important. Celui qui reste jusqu'à la fin, il fait Isha, il fait salat al-tarawih en entier, les 20 rakat, il fait le 8, il quitte le moussala lorsque l'imam quitte. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ces péchés-là. Celui qui donne manger à un jeûneur, il a la récompense de ce jeûneur-là. Sans diminuer, il a la récompense de ce jeûneur-là. Il donne à manger. Alhamdulillah, dans la masjid chaque année, il y a beaucoup de
personne qui vient à la masjid, donc on essaie de participer là aussi. On va participer, on aura cette récompense là aussi. Le jeûne purifie physiquement le corps. Et ça, on ne va pas jeûner parce qu'il purifie physiquement le corps. Ça va venir avec, c'est un bienfait du jeûne. Et le jeûne du mois de Ramadan est un bienfait pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, en résumé, donc il a la création de l'être humain. L'être humain doit faire l'adoration. L'adoration, il faut avoir la piété. Et dans la piété, on peut augmenter par la taqwa dans le jeûne. La taqwa, donc, on augmente dans le jeûne. Et le jeûne aussi nous amène à pratiquer, donc, à avoir ce degré de ihsan. Je fais droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre l'importance de chaque action qu'on fait, les jeûnes, la salah, tarawih, s'abstenir de faire le péché, le temps libre durant le mois de Ramadan, on va passer du temps à parler, alors qu'on peut avoir beaucoup de bonnes actions. On ne sait pas l'année prochaine si on est encore vivant, on doit aider les plus démunis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide aussi à consolider aussi les relations dans la famille, nous permet aussi de faire l'i'tikaf, de faire du'a, de faire le dhikr, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir au mois de Ramadan sain et sauf. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salamu